Mike, bienvenue dans cet épisode de la carrière pro, j'espère que vous allez bien. Alors, le premier épisode de la carrière pro, on a décidé notre club face à un match entre Los Angeles et Feyenoord. On a joué la compétition européenne où on s'est fait éliminer, alors qu'on avait bien joué. Bon, je pense que j'ai marqué 3 goals, un truc comme ça, je pense, je sais pas si on sait le revoir, ah, peut-être dans Stade Joueur, ouais. Voilà, j'ai marqué 3 goals, je pense, ou 2. J'ai fait 2 passes décisives. Coupe internationale européenne, voilà, je suis troisième meilleur buteur sur 3 matchs avec 2 goals et 2 passes décisives. Je suis le meilleur passeur avec Rebic de Hellas Vérone. Donc voilà, c'était pour le premier épisode. On a appris aussi qu'il voulait me prêter, donc je vais refuser toutes les offres de prêt pour rester à Feyenoord. Et dans cet épisode-ci, il y aura 3 matchs Roda, De Graafschap et Groningen. Donc voilà, on aura ces 3 matchs-là plus les entraînements. Comme je jouerai pas, à mon avis, je vais laisser un peu les entraînements pour que la vidéo soit un rien plus longue, pour pas qu'elle dure 5 minutes quoi. Donc voilà, on avance. Et bah, justement, il y a les entraînements à faire. Le dernier jour des entraînements, on va le faire. Là, je vais les faire. Je vais vous passer quelques extraits. On va mettre la session précédente. Je vais regarder ce que c'est. Voilà, donc je vais les faire et je vous passerai quelques moments des entraînements. À tout de suite. C'est pas terrible, mais on augmente de 1, il me semble. Ouais, on augmente de 1, donc on va à 67. C'est bien. Tant qu'on augmente, c'est bon. Donc, hop, il y a encore les entraînements à faire. C'est reparti. On va refaire la même chose. Ça, ouais, ici, on va refaire la même chose. On va peut-être un peu. Non, non, c'est bon, on refait la même chose. Allez, let's go.
on a fini les entraînements. Cette fois-ci, on a un F, seulement un, c'est déjà bien. 2C, 1B, ça s'améliore petit à petit, ça s'améliore. Donc voilà, on va avancer les jours. De toute façon, on a encore des entraînements à faire. Off de près, on va quand même regarder c'est qui. Qui est Notts Kunti. Notts. Je veux pas aller là, moi. Moi, je veux rester ici. Moi, je veux m'imposer dans ce club. Surtout que. J'ai marqué, j'ai fait des passes décisives. Je suis en bonne forme là. Encore une offre de prêt et on va faire les entraînements. Porte Valais. Non. Non, non. Prends la porte. Ou prends le Valais, si vous préférez. Entraînement. Bang. Voilà. On refait la même chose. Non, allez, on va un peu changer. Ici. On va faire éliminer vis-à-vis. Voilà. Un contre deux, j'aime bien. C'est assez facile. Plus facile que d'autres trucs. Pour les passes, on va un peu changer aussi. On va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Maîtriser les passes, les centres peut-être. Transmission dans les centres. Les passes. Maîtriser les passes. Ouais. On va un peu faire ça. Ici. On va peut-être améliorer notre jeu de tête. Parce que sinon, finition c'est bon, plus ça se frappe, c'est pas mauvais. Je pense qu'on peut. Ouais. On va aller améliorer notre jeu de tête. Et les coups francs, je sais pas si on peut faire autre chose. Peut-être des pénalties, ouais. La base des coups francs. Je ferais bien coups francs enroulés. C'est possible. Température de seconde, pas d'NK. Pénalty. Bon, on va faire coup franc enroulé, on va essayer ça. Voilà. Et ben c'est parti pour la troisième session d'entraînement. Quasi donc voilà voilà et je voulais putain je regarde le live en même temps de Bad Geek sur Far Cry avec les écouteurs plus mon casque ça fait super mal l'oreille ça me nique l'oreille fait super mal ah là là donc voilà voilà si vous n'avez rien à faire et que vous avez un compte Twitch vous pouvez aller vous abonner en tout cas suivre Bad Geek sur Twitch franchement il est bien, il est sympa, il est gentil, il est calme, voilà. Non mais c'est toujours cool, il est cool. Donc voilà. Moi aussi, hein, je vais bientôt faire des lives sur Twitch avec une carrière manager, une carrière pro et un peu de foot et un peu de tout. Un offre de presse pour Plymouth Argyle. 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 Machin. Plymouth. Non, c'est bon. Rejeté. Voilà. Je connais même pas ce club. Simulé, ben ouais, on ne joue pas. Ça, je l'avais prédit. Mais c'est pas grave, on va se battre à l'entraînement pour avoir notre place. On a fait une bonne préparation, mais bon, on jouera peut-être les petits matchs ou en coupe. Hein. Et au gang 2-0, c'est bien. Bah, en fait, on peut s'imposer sans moi, en fait. Donc, voilà. Ici, on refait les entraînements. On refait les entraînements. C'est parti. Ça avait très bien commencé avec 2B. Ouais, j'étais motivé. Puis maîtriser les passes, alors là, c'était foiré.
C'était bien, et puis le coup franc, ben, alors là, c'est pire que foiré. Je me suis ridiculisé. L'équipe rejette une offre, bah ben, oui, on va tout rejeter. Mec. Et Gillingham, là aussi, on connaît pas. Hop. On rejette tout. Allez, on va se battre pour avoir notre place devant. Mais s'ils pouvaient me faire confiance aussi, ce serait cool. Offre de prêt, notre compte. Et on t'a déjà refusé une fois, on va te refuser deux fois, hein. Voilà. Suivant, on avance, on avance, on avance. Simuler le match. Look at my depth. Ouais. Simuler. Bon, on espère qu'ils vont gagner. Hein. Ouf, ils ont perdu 0-4 contre l'Ajax. Logiquement, on devrait gagner. On perd 2-1. Voilà, il faut me faire jouer, c'est tout. Voilà, tu m'aurais fait jouer, on aurait gagné. Mon prof de prêt, Barnsley. On connaît pas non plus. Allez hop, ça. Entraînement. On refait la même chose. Voilà. On va changer ici. On va mettre transmission. On va un peu changer peut-être. Ou pas sans profondeur. On va essayer ça. Ah, tête reprise, coup franc roulé. Ok. Défense éliminée vis-à-vis. Bah pour que ça aille plus. Ouais, non. Commencer. Session d'entraînement qu'on a fait, les poteaux et tout la dour. Ça, on est abonné aux poteaux ou aux lattes, pareil, les deux. On est abonné à ça en tout cas. Bon, c'est parti pour le dernier match. Est-ce qu'il va nous faire confiance ce dernier match-ci? Off de près, non, on ne joue pas encore. Par Nordjylland. Voilà. Mais non. Bah, en même temps, bah, je vais vous dire que voilà. Je vais commencer à streamer sur Twitch. Donc vous serez au courant, et pour être au courant, ça se passe sur Facebook, c'est My Gaming. Donc allez voir, le lien est dans la description, vous allez sur Facebook, vous allez nous rejoindre là-dessus, et vous aurez toutes les informations, hein, quand les vidéos sortiront, quand je serai en live sur Twitch. Je pense faire d'abord une carrière manager sur Twitch avec Dortmund. Voilà. Et si vous êtes. Donc n'oubliez pas de vous inscrire sur Twitch. Et si vous êtes déjà inscrit, bah vous pouvez, comme j'ai dit tantôt, aller voir Bad Geek TV. Franchement, il est sympa, il est pas mal. Et voilà. Vous pouvez. Ici c'est 1-1. Elia qui est blessé. Je voudrais bien cramer là. Qui se crame là. Qui se blesse. Ce serait bien. 2-1, on gagne 2-1. En plus, il marque pas. Hein. Il marque pas. Hein. On va aller un peu voir combien de buts il a marqué. On va aller voir ça. Off de près encore, non? Alors, des nouvelles d'Elia. Est-ce que je... 6 semaines. Ouf. Ça, c'est mauvais, ça. Là, c'est peut-être bon pour nous. On est 5e avec 6 points. Maintenant, on va aller voir stat équipe. Bah, il n'y a même pas besoin de faire ça, en fait. On va essayer dans rapport d'équipe. Ici, regarde le gardien. Pourquoi ils mettent lui? Il déconne un petit peu. On va aller voir ça. Attends, ça. Bah, c'est cool. Mike, je suis dedans. Voilà, j'ai fait 3 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Elia qui est blessé, il n'a pas marqué. Angolo, Kramer. 6 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Moi en 3 matchs, donc j'ai fait la moitié de ces matchs, on va dire. Ça comme ça. Lui, il a fait le double. Et il marque moins que moi. Et il fait quand même 2 passes décisives. Moi en 3 matchs, je marque 2 buts, je fais 2 passes décisives, je ne joue pas. Lui en 6 matchs, 1 but, 2 passes décisives et il joue. Bon, il a plus de général, mais. Je crois qu'il faut un peu se fier aux statistiques aussi. Hein. Ce serait bien. Donc voilà. On va voir, on va avancer jusqu'au dernier match, non? Ou... Ah non, on vient de jouer le dernier match. Oh, donc l'épisode est déjà fini. Bah ouais, ça passe vite quand on ne joue pas. Bah, on va avancer jusqu'au match contre Twente. Ces entraînements-là, on va les simuler. Donc voilà, rejoignez-nous sur Facebook, le lien est dans la description. Laissez un pouce bleu si vous appréciez de me voir jouer à l'entraînement.
Et de voir le match en simulation, off de près. Mais arrêtez, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, non. Rejeté, voilà. J'ai failli accepter en plus. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'on va pouvoir enfin jouer bientôt. Mais bon, il va falloir se battre. Il y a moyen, hein. Les matchs de coupe arriveront bientôt, j'espère. Et en plus de ça, il y aura des petits matchs. J'espère qu'il fera un peu tourner l'effectif. Normalement, il devrait le faire. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous jeudi pour la carrière manager avec le Standard de Liège. Merci, ciao!